président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, monsieur le premier avocat général, chers collègues sénateurs, distingués participants, mesdames et messieurs, l'honneur me choisit aujourd'hui de m'excuser au nom de son Excellence, M. Marcel Léniard du Fendi, président du Sénat, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 16e forum d'échange entre la Chambre des comptes et les membres du Sénat. Je voudrais, avant tout propos, vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président du Sénat. J'aurais voulu bien être à cet important forum d'échange, mais les contraintes irrespectables du calendrier de la session budgétaire ne lui ont même pas donné l'occasion de m'attendre. Chargé d'adresser ses remerciements à M. Yad Abdou, président de la Chambre des comptes, pour sa disponibilité constante à œuvrer inlassablement pour le renforcement des relations qui existent entre le Sénat et la Chambre des comptes. Monsieur le président de la Chambre des comptes, je voudrais saisir cette occasion pour souligner que votre présence parmi nous ce matin s'inscrit dans le cadre d'une collaboration mutuellement bénéfique et savamment entretenue par nos deux institutions. Merci aussi à tous ceux qui honorent leur présence ce 16e forum d'échange. C'est avec un grand plaisir que je les accueille et que je leur souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue au Sénat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous prier de vous lever en la mémoire de ceux de nos collègues que nous avons perdu longtemps et que vous avez connu, les sénateurs qui ont travaillé avec vous dans le cadre de cet échange. Monsieur le Président de la Chambre des comptes, chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, l'accès à l'information, la gestion efficace des documents et procédures parlementaires sont indispensables au bon fonctionnement du Parlement. On a l'habitude d'attendre les sénateurs qu'ils votent des lois sur un large éventail de sujets. On attend aussi d'eux qu'ils contrôlent l'action du gouvernement sans être tous des experts dans tous les domaines de politique publique sur lesquels ils ont à s'exprimer. La capacité du sénateur de jouer ce rôle tout au long du cycle législatif dépend de l'accès à l'information. Le 16e forum d'échange entre la Chambre des comptes et les membres du Sénat, comme le président, procède donc de la volonté du Sénat de fournir aux sénateurs les outils nécessaires et indispensables à l'accomplissement de leur mission institutionnelle. Monsieur le Président de la Chambre des comptes, chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, la Chambre des comptes a choisi comme thème de leur exposé
gestion des collectivités territoriales décentralisées, la responsabilité des acteurs et le rôle de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ce thème m'intéresse particulièrement le Sénat pour une double raison. Premièrement, le Sénat est une émanation de la décentralisation. En effet, il a été investi par l'article 20, alinéa 1 de la Constitution, d'un rôle de représentant des collectivités territoriales décentralisées. Il a donc ainsi la particularité d'être une assemblée parlementaire qui exerce une fonction de représentation. En tant qu'assemblée parlementaire, le Sénat assure son métier de législateur et sa fonction de contrôleur dans le cadre d'un bicaméralisme égalitaire. En tant qu'émanation des collectivités territoriales décentralisées, le Sénat est perçu comme le représentant institutionnel et privilégié de nos régions et communes. Deuxièmement, depuis 1996, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait de la décentralisation l'un des grands piliers de la politique de modernisation du Cameroun. En tant que représentant des collectivités territoriales décentralisées, le Sénat est directement interpellé et il doit grandement s'impliquer pour que cet objectif fixé par le chef de l'État soit atteint. Chers collègues sénateurs, comme vous le savez, le processus de décentralisation s'est accéléré avec l'adoption en décembre 2019 de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Depuis cette date, nous notons avec satisfaction la volonté du gouvernement de transférer des compétences et certaines ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Une plus grande implication de nos concitoyens dans la gestion des affaires locales. Cette implication vise à résoudre la cohésion nationale. Chers collègues sénateurs, le 16e forum d'échange entre la Chambre des comptes et les membres du Sénat constitue une nouvelle opportunité qui vous permettra d'accéder à une information puisée à bonne source, par conséquent, fiable. Au moment où le Sénat s'apprête à examiner la loi portant le droit de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Je vous invite par conséquent à suivre avec un grand intérêt l'exposé proposé par la Chambre des comptes. En évitant le vœu de plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 16e édition du forum d'échange entre la Chambre des comptes et les membres du Sénat. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.